Si dans les 6,01 prochaines secondes, tu ne t'abonnes pas à ma chaîne et que tu ne likes pas cette vidéo, tu ne pourras pas récupérer le sac à dos katana Deadpool dans ton casier Fortnite. Donc vite, abonne-toi vite à ma chaîne et like vite cette vidéo pour le récupérer dans ton casier Fortnite. Bon, aujourd'hui les gars, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait gagner un skin au choix de la boutique à un abonné. Donc tout simplement les gars, pour participer, c'est très très simple. Vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. C'est vraiment très très important les gars, abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube en activant les notifications. Vérifiez bien que les notifs soient activés. La deuxième condition, il faut tout simplement vous abonner à mon Instagram. Donc mon Instagram est dans la description de cette vidéo. Pareil, c'est très très important les gars que vous vous abonniez à mon Instagram, ou sinon pareil, vous allez sur Insta, vous tapez Kickle14 comme mon code créateur. Et la troisième condition, bien évidemment, me soutenir dans la boutique Fortnite. Donc vous mettez mon code créateur Kickle14 dans la boutique Fortnite, en minuscule ou en majuscule, peu importe. Voilà, KIKL14 en minuscule ou en majuscule. Et du coup, n'oubliez pas de me mettre votre pseudo dans les commentaires, comme ça vous aurez plus de chances. Vraiment, spammez votre pseudo dans les commentaires. Et du coup, sans plus parler et sans plus tarder, bonne vidéo à tous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Nouvelle vidéo sur Fortnite. Dans cette vidéo les gars, aujourd'hui on va tout simplement les gars parler du sac à dos katana Deadpool que vous pouvez récupérer désormais tout simplement dans votre casier Fortnite. Je vais vous montrer comment faire, comment ça va se faire, quand, où on peut le récupérer exactement. Enfin bref, vous allez voir, je vais tout vous expliquer en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ou que vous n'avez pas encore activé les notifications, je vous invite à le faire. On rush au plus vite les 300 000 abonnés. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas encore abonné, bah, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube tout simplement en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner avec les notifications. On n'oublie pas, on rush les 3500 likes pour cette vidéo. Donc toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et d'ailleurs, vous savez quoi les gars, je vais vous donner le défi de partager ma chaîne à un de vos amis. Donc c'est à dire votre ami doit s'abonner à ma chaîne. Voilà, on va voir si vous allez réussir à réaliser tout simplement ce défi. Voilà, donc en gros vous avez juste à partager ma chaîne et que votre ami tout simplement s'abonne à un de vos amis, genre pas à deux ni à trois, vraiment que à un de vos amis. Voilà, comme ça on va voir si vous allez réaliser ce défi. Et du coup, code créateur KIKL14 dans la boutique Fortnite, KIKL14 en minuscule ou en majuscule. Et du coup, sans plus parler et sans plus tarder, bonne vidéo à tous. Du coup les gars, dans cette vidéo, comme vous auriez pu le voir au titre et à la miniature, et puis même comme j'ai pu le préciser en début de vidéo, on va tout simplement les gars parler aujourd'hui du sac à dos katana Deadpool. Tout simplement, vous savez qu'on avait trouvé des défis dans les fichiers du jeu, et justement je vais vous remettre les gars ces défis à l'écran. Donc dans ces défis les gars, je tiens à préciser que c'est tout simplement les défis de la semaine 4. Donc regardez les gars, je vous les affiche tout de suite à l'écran. Donc tout simplement voilà, comme le dit le premier défi, on devra tout simplement trouver les katanas de Deadpool. Je tiens à préciser qu'il y en a plusieurs, donc c'est un peu comme les chimichangas. Donc du coup là, on devra trouver deux katanas tout simplement dans le repère de Deadpool. Donc on a eu la confirmation les gars que les katanas se trouvent dans la dans le repère de Deadpool, donc en gros dans la base secrète de Deadpool. Et on a eu avec précision, c'est sûr et certain les gars. Après c'est sûr et certain, c'était un leak. Après le leak, vous savez les leaks ça peut changer dans les fichiers du jeu, Epic Games peut tout changer au dernier moment. Mais normalement les gars, un des deux katanas qu'on trouvera tout simplement, bah le premier katana, car les deux katanas normalement ne seront pas pareils, le premier katana en gros qu'on trouvera sera tout simplement dans notre casier Fortnite. Donc en gros voilà, c'est tout simplement ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Regardez hein, on a marqué terminer un des défis pour gagner la récompense. Donc en gros, quand vous allez trouver par exemple les katanas de Deadpool, donc en gros vous aurez déjà réalisé un défi, vous allez tout simplement les gars en gros gagner la récompense. Et comme on peut le voir les gars, tout simplement juste à droite de l'écran, on pourra tout simplement récupérer le katana. Donc ça les gars, ça a été officialisé. Alors où vont se trouver les katanas, c'est là qu'on se pose la question. Normalement les katanas, il y en aura un tout simplement qui sera dans le repère de Deadpool. Donc ça c'est sûr et certain, car tout simplement voilà, Deadpool, le katana, ça fait partie de son repère, un peu comme avec en gros les autres choses qu'on avait trouvé, tout simplement voilà, la brique de lait, ça, enfin bref, vous m'avez compris. Et justement là les gars, on a un autre katana de Deadpool qu'on devra tout simplement trouver. Donc normalement il se trouvera dans la chambre d'amélioration, c'est pas trop sûr. Mais comment on peut savoir en fait, simplement lorsque tout simplement hier je crois c'est les joueurs ont lancé leur jeu, il y avait un petit onglet en jaune, donc en gros dans la chambre d'amélioration. Et justement il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais Kickle, pourquoi on a un petit onglet jaune simplement dans la chambre d'amélioration? C'est que tout simplement la chambre d'amélioration a été modifiée. Donc comme par hasard les gars, la chambre d'amélioration puis tout simplement la base de Deadpool ont été modifiés au même moment. Donc à mon avis les gars, ce qui va se passer, c'est que Epic Games avait fait une petite mise à jour, je m'en souviens, parce qu'il y avait quand même 1 giga pratiquement à télécharger. Et bah tout simplement, lorsque cette mise à jour arrivera par la suite, l'autre mise à jour où on aura les défis, on devra tout simplement récupérer les deux katanas. Donc un dans le repère comme j'ai dit, et un normalement si tout se passe bien dans la chambre d'amélioration de Maya, où vous savez vous créez votre Maya. Voilà, après c'est ce qu'on a tout simplement trouvé pour l'instant. Ça se trouve que voilà, ça peut changer tout simplement au dernier moment. Et une fois que vous avez tout simplement réalisé vos défis, un des défis même pas, regardez comme le dit en dessous,
terminer un des défis pour gagner la récompense. Donc voilà, vous trouvez juste les katanas et c'est bon, et vous récupérez tout simplement un katana en cadeau en fait, simplement dans votre casier Fortnite. Donc voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. On rush les 300 000 abonnés les gars, donc un grand merci à toutes les personnes qui s'abonneront. Code créateur Kikel14 dans la boutique Fortnite, KKL14 en minuscule ou en majuscule. On rush les 3500 likes. Et du coup les gars, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kikel, allez ciao tout le monde.